pour la Saint-Valentin, j'ai payé 150$ pour le jeu Chubby Cherub sur la NES. Bonjour à la maison, je m'appelle Guiz et je tente présentement de collectionner tous les jeux sortis en Amérique du Nord sur la Nintendo Entertainment System et j'adore les jeux de Saint-Valentin comme Kid Icarus par exemple. Mais là on parle de Chubby Cherub, c'est le 648e jeu de ma collection. Regardez-le, il est dodu, il est grassouillet, un jeu de Bandai, un jeu qui possède 5 vis, on le voit déjà parce qu'il n'y a pas les clips sur le dessus. Et voilà les 5 vis. Ce ne sont pas des vis de sécurité, évidemment. Ce sont des vis de tournevis. Normal. Avec des petits plats, ça va bien. C'est un très vieux jeu, hein? 1986 sur l'étiquette, donc c'est peut-être encore plus vieux. C'est écrit Character Action Series à l'époque qu'on essaie de définir le style directement sur le jeu. C'est rare qu'on voit du gameplay sur une étiquette de jeu, mais là on en voit un petit peu ici. On essaie de nous montrer c'est quoi le jeu pour nous donner une bonne idée. Enfin, un jeu qu'on peut louer au club vidéo sans hésitation, même si la boîte et le manuel sont manquants. Mais bon, c'est la Saint-Valentin, on s'en va Saint-Valentiser! Ah, j'espère que vous êtes heureux de passer votre Saint-Valentin avec moi. Je suis à la fois votre amoureux et votre amoureuse. Alors, Chubby Cherub, un copyright Bandai 1986, je suis seul. Donc, je vais jouer seul. Alors, je semble avoir des ailes. OK, c'est ce genre de jeu-là. Ça, c'est pour sauter. Je sais pas si le chien me fait du mal. Pour l'instant, on va l'éviter. Je semble ramasser des bonbons. Ou des fruits. Chien, touche-moi pas. Pourquoi le chien, il serait pas gentil? Il y a un autre chien. Oh, je peux lancer des cœurs, peut-être? Attendez. Peux-tu pousser ça? Ok, je l'ai mangé. Donc, mon énergie semble être les sucreries ou les fruits. Oui, ça me redonne du power, parfait. Et les chiens sont pas fins. Oh, je peux voler! Ben là! Mais ça me prend plus de power. Faut que je fasse attention. Non! Je meurs d'un coup! C'est bien cruel! Donc, j'ai pas besoin de manger nécessairement les sucreries. Oups. Tant qu'il m'en reste, je suppose que mon objectif est d'aller vers la droite. Je suppose. Wow! Je peux-tu monter? Ah oui, je peux monter. OK, tant que je tiens le bouton, je peux voler. OK. Bon, ben, tu vas bien. Oh! Le chien, il jappe. J'imagine que ça me fait mal s'il me touche. Je vois pas pourquoi j'arrêterais de voler. Stop! Stop quoi? Wow! Faut-tu que je tue les chiens? C'est un drôle de jeu, c'est ça l'objectif? Faut-tu que je mange tout? Faut-tu que j'aille à droite? Ok, on va essayer de manger plus d'affaires. Je peux pas revenir en arrière. Ok, il fallait juste que je débarre ça. Oh, un gros pitbull! Oh. Oh non, j'ai plus de projectiles. Tu payes pour projectiles? Je sais pas. Ça, c'est une grosse sucette, non? Le chien jappe. C'est la Saint-Valentin. Nanananana. Je l'aime beaucoup, le gros chien. À date, c'est mon préféré. Et lui, il pourrait me faire du mal. Ah non. Ah non, ça me tue d'un coup. Les fois de l'avant, je pensais que ça m'avait touché, mais que ça m'a pas fait trop mal. Ok, je recommence pas au début. Je recommence à côté d'un gros chien. Mange-moi pas. Ping,
C'est la toune de la Saint-Valentin. Tananana pao. Oh oh! J'y ai dit! C'est très sympathique à date. 2/2. Pim, pim. Les chiens qui nous jappent après. Oh! T'es qui, toi? Est-ce que... Mais pourquoi j'ai dit allô? Est-ce que... J'ai trouvé l'amour de sa vie? Est-ce que c'était ça mon objectif? Est-ce que je l'ai fait tomber en amour? Est-ce que j'ai lancé une flèche droit dans son cœur? Je ne sais pas. Pim, pim. Ah, les arbres ont des collisions. Sachez-le. Et boboy, que c'était pas loin, ça. Moi, j'essaie de faire une run pacifique. Ah, oh, il y a du temps aussi. Fait qu'il y a du power, il y a du temps. Non! Non! La Saint-Valentin n'est pas terminée, mesdames et messieurs. On continue. On va être meilleur. Meurs! Là, je suis fâché. Non! Il était mort! Je me suis tué par un chien mort. C'est la guerre. Ouais, c'est ça. Tu repenseras la prochaine fois avant de me faire mal quand je te tue. Non. Chien. Cupidon est viré macabre. Il est fâché. Non! J'étais sûr que je l'avais eu. Je pense que c'est la sucette qui me donne des projectiles. Tain! Ouais, c'est ça. Tain! Pas content. Pas content. Les chiens sont pas fins, fait qu'on va leur dire... Oh, non! La Saint-Valentin est gâchée. Alors, je vous souhaite une excellente Saint-Valentin et le plus beau cadeau que vous pourriez me faire, c'est d'écrire un commentaire sous cette vidéo. Allez, à demain!